tu auras fini de t'amuser, Olivier, tu viendras peut-être me donner un coup de main. Va servir ces gens. Tu vois pas qu'ils ont faim. Merci, mon gars. Ça m'a pas l'air mal, tout ça. Pas mal. Je lui sers les plus belles pièces que j'ai reçues la semaine dernière et elle me dit pas mal. Je te le dis, moi, tu trouveras pas plus frais ailleurs. C'est pas vrai! Laisse! Oh, ce que t'es lent! Va me chercher la serpillière! Allez, vas-y! J'en ai marre de toutes tes conneries! Ça fait des années que ça dure. Ah, il bosse, ça oui! Mais si je dois passer derrière, ça sert à quoi? Tu peux me le dire? Au moins, il dit rien de la journée. C'est déjà ça. Oh, il est peut-être un peu timide. En tout cas, il n'a pas l'air bien méchant. Au fond, vous savez, ces gens-là, ils sont comme nous. Je sais pas pourquoi je m'occupe de lui. Ça n'apporte rien d'être trop gentil. Mais regardez-le. Même passer la serpillière, il sait pas faire. Moi, je trouve que tu fais ça très bien. Va livrer ça, Madame Bertrand. C'est la maison au bout de la rue. T'y es déjà allé 100 fois. Tu vas pas te tromper quand même. Et active-toi pour une fois. J'en ai marre. J'aime bien, moi, ce petit gars. Tu sais ce que tu fais? Du classique. J'espérais un peu mieux pour mon anniversaire. Tu peux changer si tu veux. Reste plus qu'à débarrasser et fermer pour aujourd'hui. Mais pourquoi Olivier n'est toujours pas rentré? Ça va pas se faire tout seul. Ah, quand même! T'étais où tout ce temps? Tu vas me répondre, oui? Pauvre idiot. Citoyens, nous interrompons ce programme pour diffuser un communiqué des forces de police de la ville.
Suite à des coups de feu rapportés en ce début d'après-midi, un couple de sexagénaires a été retrouvé mort à son domicile. Il s'agirait d'un crime crapuleux. Différents témoins ont aperçu un homme s'enfuyant avec une valise, contenant probablement son butin. Compte tenu de la violence de cet acte, la police demande à tous les habitants une extrême vigilance. Contactez le commissariat pour signaler tout individu suspect correspondant à la description. Qu'est-ce qu'on fait? Il voit bien la police. Peut-être qu'on devrait regarder dans sa valise avant, non? Oh, surtout pas, c'est trop dangereux. On sait jamais comment ces gens-là peuvent réagir. Au fond, ils sont pas comme nous. Non, non, il faut appeler la police. Non, mauvaise idée. C'est toujours quand la police intervient qu'il y a des blessés. Ou pire encore. Non, il faut s'en charger nous-mêmes. T'as perdu la tête. Pas du tout. Et en tant qu'ancien soldat, je peux vous dire que je maîtrise la situation. Il pensait que cette guerre aurait eu raison de moi. Que les atrocités m'auraient rendu fou. Seulement, moi, je suis toujours là. Alors, vous pensez bien que c'est pas ce petit gars-là qui va m'impressionner. On a eu une situation similaire avec mon unité. Je sais ce qu'il faut faire, une diversion. Un appât. Olivier, tu peux venir, s'il te plaît? Tiens. Apporte ça à la cliente là-bas. Elle a demandé à ce que ce soit toi qui la serve. Merci, c'est gentil. Je m'appelle Léondine. Toi, c'est Olivier, c'est ça ? J'aime bien venir ici. Je te vois souvent, tu sais. Moi, je trouve que tu fais du super boulot. Là, je pense qu'il a eu son compte. Attachez-le. Après, on appellera la police. Bon, grâce à mon homme, tout se termine bien. Santé. Et grâce à la petite aussi. Tu m'auras tout fait jusqu'au bout, toi. Hein? Messieurs, dames. Messieurs, dames. Voici notre homme, chef. Il n'a pas l'air bien dangereux. C'est ce que vous dites. Sans moi, on n'aura jamais su le maîtriser. On va l'amener au poste. Et demain, on passera prendre votre déposition. Il faut qu'on le cuisine pour le faire parler. Il aura une drôle de surprise à son réveil. Eh mince! Ils sont partis sans la valise. Au final, on sait même pas ce qu'il y a dedans. Peut-être de l'argent. Faut que j'aille voir. Une assiette d'agneau, s'il vous plaît. Ah, désolé, monsieur. On est fermé. Ça tombe bien.
J'ai pas très faim, en fait. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Vous n'allez pas nous faire du mal? Allez, barrez-vous. Fermez-vous là-dedans. J'ai besoin de réfléchir. Faites ce qu'il vous dit par pitié. Je sens que ça va mal finir. On fait quoi maintenant? J'en sais rien. On peut pas rester sans rien faire, il va nous tuer. Gaspard, on fait quoi? On fait rien, c'est trop risqué. Les policiers vont bien finir par revenir pour récupérer la valise. Mais oui, la valise. Peut-être qu'en plus de l'argent, Olivier y a caché son arme. Mais t'as vraiment rien compris, toi.